On a eu nos étapes de sélection en début d'année. L'équipe a été définie très tôt, juste avant que la saison commence, pour toute la saison. Et je fais partie de l'équipe des trois qui iront au championnat d'Europe et à Paris pour tenter de nous qualifier aux Jeux Olympiques. Pour le moment, on n'a pas encore nos quotas et c'est sur ces deux compétitions-là qu'on peut, on peut récupérer nos places. Il a été décidé par la fédération qu'à Antalya, où les places individuelles étaient à remporter, l'archer qui remporte le quota individuel ira aux Jeux Olympiques. Ouais. Il n'y a pas de redistribution interne à l'équipe, c'est celui qui remporte la place qui y va. Well, here we go. It's time to find out who are going to book the four individual places that are available at this Continental Quota Tournament in Antalya. Now it's time for quarterfinal 9 for Shiro. We'll put him through. And he's put it on to the line for the 10 ring. He's shot a 10, a 27. So here we go, semi-final number 1. Bring it across. It worked. Copyright, Mackenzie Brown. Oh, brilliant 30 when he needed it from Thomas Shiro. Let's see. Oh, look at this. This measure is so important now. Look at that. It has been marked up to a 10. And that means they both shot 30s. 8 is enough to draw level in the set points and get the 1 point you need to go through to the semis. Oh, an opportunity here for Valandon not only to make the final here, but we think snatch the qualification spot for the French team. A big intake. Let's have a look at how the men's finished up. Mete Gazos top of the pile, of course, from the battling Jean-Charles Valandon. C'est très difficile toujours d'avoir un coéquipier d'équipe qui est adversaire du jour au lendemain, mais c'est la loi du sport et la loi du tir à l'arc. One more chance to qualify in a couple of weeks' time for the teams in Paris. La pression augmente un petit peu au fur et à mesure. Après, je me sers de chaque compétition pour me préparer pour celle-ci. Et j'ai hâte de tenter de remporter ma place là-bas. C'est un rêve depuis que j'ai commencé. Ma famille me soutient dans ce rêve depuis le tout début. C'est la première fois que je peux tenter de participer aux Jeux Olympiques en suivant tout le processus qui est en place pour se qualifier. Je m'entraîne tous les jours pour vivre cet événement à fond et j'ai jamais pensé à échouer. Je vais faire les choses de mon mieux pour ne rien regretter et surtout profiter du moment, prendre plein de plaisir à tirer toutes ces flèches et pour le partager aussi avec l'équipe si on a la chance d'y aller par équipe. Ce serait pour moi un accomplissement de ma carrière et ce ne serait pas la fin, mais ça serait une belle récompense d'y participer et de remporter une médaille. Allez la France !